Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAO pour capable porter baou une nouvelle émission. Très bon week-end à chacun de vous, puisque jeudi, c'est samedi 15 octobre 2022. Information nous porter pour une cas d'émission, si là. Mais juste avant de commencer, nous allons remercier tout si là qui est international là. Si là qui a même te voye voice. Et les notes des voice yo, eh bien, nous, ouais, majorité moun qui voye voice yo, c'est moun qui accepté pour gagner ça n'ta capable de yon intervention militaire dans le pays d'Haïti. Parce que moun sa yo à l'étranger yo pas cap venir dans le pays. Gagner yon réalité pour chaque grain haïtien qui à l'étranger. Nèg la gen droit ou bien fi a gen droit dans pays blanc, li envie rentrer vinn passer en ti vacances. Parce que li pas toujours évident lè ou vivre dans pays blanc comme si pour être la net ou pas jambe font paraître bon la caille. Ou gen doit dans pays États-Unis ou décider à passer vacances en France. Ou gen doit dans pays États-Unis ou décider à passer vacances dans pays Haïti. La caillou. Kou n'y a problème qui vient passer là, le fait que moun yo dans pays États-Unis ou bien yo non pays étranger, yo pas capable vinn passer vacances à Haïti. Donc si quoi yo te gen nan men yo pou yo passer vacances là, y a le passer dans l'autre pays. Bref, moun sa yo, c'est ça que fait toujours expliquer que yo vraiment nostalgique parce que yo ta remen vini nan pays. Gen pil nan yo ki grand moun ki ta remen vini vive la caillou. Yo poko capable parce que pays a gen problème. Et de pou nan 50 ou nan 60 apparemment, eh bien vieillesse ou c'est dans pays d'Haïti pour vin passer. M'te très content de moun sa yo, surtout la marraine de la chaîne Carmélite qui li même vraiment intéressé pour que gagnons force international qui vient dans le pays d'Haïti. Pendant nous dans dossier si la forme dit que eh bien gagne un pile matériel cap entrer jodi a. Ariel jeune matériel. Matériel ça on t'a souhaité que yo vite utiliser au compte bandi. Tendez bien quelle différence faites-vous entre nèg politique yo dans le pays d'Haïti avec population cap crevé. Nèg politique, c'est de nèg qui l'a cap tiré sous code là. Y a fait ça n'ta capable brûler masturbation politique. Yo fait pays à camper sous place, yo pas voulu négocier, yo porte de sortie pour pays à et puis s'entendé à là moun ki nan classe défavorisé yo, moun ki nan classe moyenne yo, c'est yo cap crevé. Mais en pile moun ki nan classe sa yo tout yo même yo souhaité pour que gen en force international qui vini nan pays an. Gen an pil nèg ki propose nationalisme yo. C'est là gen problème. Nèg sa yo gen gang pa yo. Et c'est ça que faut ouais, les États-Unis li vite pèse sou accélérateur là pour di on série de nèg là et hey, posez nous. Nous connaissons nous bien. Nous gen gang nou kap travay pour nous. Comme si messieurs pour nèg politique tamare saucisse ak G9. Pour nèg politique, tamare saucisse avec GPEP. Mais monsieur, nous méchants dans le pays ça, monsieur. Pour quantité de crimes qu'a fait dans le pays ça. Pour zak kidnapping qu'a fait. Pour moun qu'a mouri dans Cité Soleil. Pour moun qu'a mouri sous Belay. Pour moun qu'a mouri dans Matissan. Pour moun qu'a mouri dans Badelma. Pour moun qu'a mouri dans Croix des Bouquets. Nous mare saucisse nou a gang. Et nous continuons mare saucisse nou avec yo parce que faut que nous gen contrôle yo. Élection pral rive, fon ta gen gang pa nou. Et puis, autant de gon force internationale kap vini, tout nèg ap voye pied. En tout cas, les États-Unis dit le prêt. Canada dit le prêt. En pile l'autre pays dit au prêt. Mais c'est domèg li même, l'ap mette en tour à li là parce que il dit gang sa yo, li pap accepte pou yo rentre la kay li. Koun a gon information kap sikile, comme quoi, Jimmy Cherizi alias Barbecue t'a souhaité gagner amnistie. Bon, c'est un choix. Parce que si nèg la estime que li mouye rad li assez pour pays d'Haïti. Parce que pas oublier nèg li même li douce révolution t'a fait. Jean Bala et la journée jodi a la m'a demandé est-ce que gon gang kap gen assez audace si t'a gon fonds international qui vin là pour demander amnistie. T'a remet poser tête mes questions ça et m'ta ramener nous répondre question ça. En tout cas, qui ça isouvle, qui ça t'il a plivelé,
qui ça barbecue ou vle? Entendez, Jean-Robel Dorsena, responsable Commission nationale désarmement, démantèlement et réinsertion, qui a intervenu sous question si là. Sous prématissant, les matissants ont toujours exigé pour faire une négociation avec eux, pour qu'on connaisse eux-mêmes, pour reconnaître ces petits pays, ces petits États. C'est-à-dire le monde matissant. C'est-à-dire qui ça? L'homme de matissant, Gravine, Village de Dieu, ils ont toujours exigé. Bon exemple, gars. Attendez. Je vais donner un exemple qui est très clair. Je songe, je vais citer un nom, Nek Yameo, Izo. Izo te fait une négociation avec nous, personnel. L'homme de personnel avec la commission. Il te dit nous, mais on lisse le monde, il te dit nous. Il dit nous, on lisse le monde, si nous mettons madame, monsieur, ça. Marie, mesdames, ça. Notre travail. Parce que, pas oublier, moi, nous, il faut qu'il soit Nek Yameo. Bien fait, Yameo. Mais si c'est sous ça, plusieurs fois, je fais émission avec nous. Oui, et on a l'air, Ils ont, monsieur, dans une négociation, monsieur. Il te dit, il nous dit, à peu près 50 monde, il te dit, nous, même Mounsa, si nous mettons Mounsa dans notre travail, on va faire une petite mission, kidnapper nos fils à mesure, on va faire un mais qui j'aime. Lui-même, personnellement, la bretille l'école, dans le dossier ça, il va le faire musique, il va le faire ceci, il va le faire ceci, là. Nous prenons nous traverser Grand Avenue. Ça, c'est pour le village là? Il a dit Dieu. Monsieur Grand Avenue, nous a dit, depuis, nous prenons un paquet de jeunes pour eux. Nous mettons eux. Parce que jeunes, ça a déjà, comme nous déjà, nous ne pas l'envoler sous l'ordre au chef, dans pile là-dedans, pour aller dans la question pour être mettre dans l'institution pays, bah, ça a pour retirer dans la rue. Bah, ça va. Là au travail, yo même nan niveau pa yo a fait kidnapping, j'entendais ça. Ça y est, en ça dit c'est presque même revendication ou bien après travail. Presque même revendication. OK, on descend. Mon en pile monde, on va arriver sur moment de bail, dans la rue. Mon nous ouais quand mon nous ouais qui dans équipe qui dans et l'autre secteur qui dans zone peignée. Et on parle de Vitelom. Qui est différent de en bas la ville. Ça, monsieur, oui. Nous-mêmes, vite là, nous sommes un problème politique la régler. Problème politique avec qui est-ce? Personnellement. Il dit que ça, il y a des gens qui utilisent le mal, je ne veux dire, faire le passé comme bandit. Il n'est pas d'accord ça, il a dévié le gouvernement ça qui l'a. Il va citer non, là où? Il va citer non? Bon, c'est pas ça que je veux faire, je veux dire, à nous parler de nous éviter le système ça parce que... Oui, ok, mais pour Kounia... Attends, Kounia, pas oublier, non, ou qu'on met tout le monde là, puis, et Mado Magaï. Maintenant, qui s'invite l'homme mandé, même s'il a réglé ça, qui s'a mandé pour cesser de régler ça avec la population, parce que finalement, et ma politique, c'est au capé, c'est la population. Qui s'invite l'homme mandé? L'idée de une négociation personnelle avec les gens qui va respecter la fin de la songer pour être sorti. Bon, bref, il dit ça, il dit ça à deux, il dit ça à privé, il parle même presque chaque lait, il toujours répète ça. Et monsieur dit moi, grande solution, depuis qu'il a volé les grandes propositions, il y a un cours, la pécrile et la pécrile, la brûle, le banon. Non, la formule est. Demande pour le camper, ça veut dire même qu'il y a l'autre négo, et bien en proposition politique, oui, il va faire une sortie de crise. Demande pour le camper, non, action la faire. Ok, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a une proposition pour. Mais ça pour Bali, parce que nous connaissons, il y a parlé de monsieur qui a plusieurs cailles, que vous volez, monsieur qui a été, ok, il y a des terrains, que c'est pour mieux. Il y a des promesses, groupe ça, même il y a météo, même magistrat. Non, mais, ok, d'accord. Maintenant, fais monsieur voir le barou pour lui parler prochainement pour être capable de gagner une revendication, monsieur. On descend. Je descends, mais je vais aller à côté de la côté dossier pour le moment. Nègre Genève, famille alliée, vous voyez une proposition qui a circulé sur Internet là. Non, pas une proposition qui a circulé sur Internet là. Ou même, qui ça, Nègre Dou? Parce que la proposition est de parce que vous n'êtes pas gagné, non. Vous comprenez? C'est vous-même qui parlez avec nous, dites-nous, mais ça n'est que dit, par exemple, en allant.
G9. G9 te mande pour yo fè, yo te en pile là d'ailleurs te mande amnistie. Amnistie, oui. Yo te mande pour yo retirer avis de recherche derrière. Oui, enlever surtout ça des anciens policiers. Yo te mande tout pour yo fè. Et yon pouvoir. Parlez plus fort, parlez plus fort, le Sénat. N'ayez pas peur. Est-ce que vous donnez moi? Vous donnez bien, mais c'est plus fort pour parler. Ok, yon demande un amnistie. Nous, on est amnistie. Yon demande pour retirer la vie de chez vous. Yon demande tout pour yon faire une négociation pour yon participer dans ce qu'a fait dans le pays. Dans tout ce qu'a fait. Pour participer dans le gouvernement. Yon demande pour participer exactement dans le gouvernement. Yo mande tout, yo di, yo pa un problème. Gen an pile la dan, pa di tout. Gen an pile la dan yo ki di, yo pa un problème pou yo ta fè yon couloir humanitaire. Pou yo ta fè yon couloir humanitaire. Un couloir humanitaire pou al ki bon. Pou al fè ki sa? Si la problème nan chita. Est-ce que dans le même, yo pa gen problème pou ça, mais yo questionner couloir humanitaire là, c'est ça on veut dire. Exactement, yo questionner. Yo questionne, yo di bon, ou fait qui ça? Et pour al ki bon, est-ce qu'il y a bien contrôle côté aller là? Bref. Tout ça yo, on pas besoin bay tout détail parce que n'a pas excusez moi si me dit ça parce que gen des bagages mon nan di ou lors la négociation faut faire réserve. Exact. Demain si je veux si gon problème pour capable protéger ni mon cap négocier voilà ni mon qui en face moi. Parce que négociation pas faite en radio, il pas faite public. En tout cas, ou quoi n'ayot avle sa vre, Dorsena? Ou quoi son bagay kon sa, Jimmy Cherizier tap mande? Ou quoi son bagay kon sa, l'autre chef de gang yo tap mande? Responsable Commission Nationale des Armements, démantèlement et réinsertion. Hein? Li rapporté que plusieurs conditions posées par bon côté bandi yo, qui fait partie organisation criminelle G9, pour débloquer terminal Vareux. Amnistie, ak annulation avis de recherche. Ses principales conditions nèg G9 yo posé. Aïe, tête charge. Donc un peu là. En tout cas, Fon dit que toujours d'après Jean-Robert Dorsena, situation sécuritaire pays apparaît alarmante. Population trouvé li depuis quelque temps là en bas gros la Perez. Gang yo continue à faire exaction. Dernier exaction qui a fait là c'est blocage terminal Vareux. Pas bon côté organisation criminelle G9 en famille et alliés. Une situation qui risquait plonger pays d'Haïti dans une crise humanitaire sans précédent. En tout cas, Fon dit que il y a environ 4 millions de monde qui menacés par famine dans pays d'Haïti. C'est le programme alimentaire mondial qui dit ça. Dans un communiqué les publiés dans la date 14 octobre 2022, en situation sécuritaire, pays d'Haïti capable la cause une crise grand goût sans précédent. Côté que 4,7 millions Haïtiens fait face à grand goût, 1,8 millions dans phase urgence, gain 19 000 qui dans phase catastrophe d'après communiqué SILA. Alerté par situation ça dans pays d'Haïti, eh bien FAO les mêmes appuyé sous sonnette d'alarme non. Côté que gagne deux organismes dans l'ONU qui fait qu'on est 65% population cité soleil besoin assistance pressé dans zone ça côté que c'est la guerre qui a fait parler de lit. Tendez ça dit nous devons aider les Haïtiens à produire des aliments meilleurs et plus nutritifs pour préserver leurs moyens de subsistance et leur avenir, en particulier dans le contexte d'une crise alimentaire qui s'aggrave. Ça, c'est déclaration José Luis Fernandez qui représentait FAO dans le pays d'Haïti. Bref, dossier bandit qui bloquait Terminal Vareux, dossier bandit qui volait gaz dans Terminal Vareux, qui bral vend gaz dans le marché noir. C'est moun sa yo qui a fait révolution pour le pays d'Haïti. En tout cas, si force internationale n'a pas vini, d'après un peu le monde, n'a privé d'un bout non parce que ça n'a pas gardé là. On t'a capable de dire c'est point final là. Si vous avez chance de tomber sous vidéo ça, moi m'envie presque pas de poster encore. C'est une vidéo qui durait 21 secondes. Côté que
bandi kanaran yo nèg yo ap montre gros bout zam yo genyen côté que yo passe yon chaîne bal la donne et yo di yo même yo prêt. M'a mandé est-ce que les nèg yo tande genyen force internationale k'ap vin sou terrain yo peur. M'pa kwè nèg sa yo peur non parce que nèg sa yo gen bagay nan men yo. Yo gen bagay nan men yo pour yo capable faire bataille. Premièrement, c'est parler de force humanitaire. Là. On te prend temps pour me lire arrêté là. Dans arrêté à moi que le gouvernement a adressé bah PM Ariel Henry mandat pour lui capable demander une intervention avec une force humanitaire. Contrairement avec ça en puis mon a dit comme si c'est pas une force militaire d'un pays spécifique. Les nous analyser situation pays ça. Environnement, évolution, zone, nous sommes capables de dire que nous n'avons pas qu'à déplacer sous 3 km dans le pays. Nous pas qu'à déplacer sous 3 km. Chaque fois, nous avons buté sous un obstacle qui peut aller, journaliste, docteur, infirmière, ingénieur, paysan, femme, petit monde et la tri. Personne n'a pas épanoui. Son catastrophe, lui. Son catastrophe humanitaire. L'école n'a pas fonctionné. Nous clôturons l'année avec un pile de difficultés. Et je vous dis là, 5 départements coupés dans le Grand Sud. Reste dans le Nord, tout à tendance, c'est ça. Et vers ça, pour aller. Donc, nous disons que, une force humanitaire, il faut le venir dans la minute possible pour renforcer sa classe. Renforcer la police. Renforcer l'armée, accompagner yo dans le travail que y a fait pour rendre le pays vivable. Donc, en dehors de toute intervention militaire qui a été faite, tant que ça a été fait en 1994, grâce à l'armée, minoter la police, minoter militaire, traîner yo tant qu'un chien qui mourit, ça nous parle à la logique. Ça. Mais dans une démarche humanitaire, pour nous retirer le pays dans ce lieu-là, nous-mêmes nous déprenons. Tant nous parler à reste département par le biais de l'organisation qui a gagné sous zone. Dans 10 départements, nous avons déjà gagné au moins 5. Dans la relation nous développons avec un ensemble d'organisations, je ne pas dire tout département, c'est un petit échantillon nous prend. Et pas moi qui fais, c'est coordinateur ou dirigeant d'organisation. Nous rendons compte que déjà là, nous avons 5 départements qui disent que nous ne sommes pas capables encore. Situation difficile pour eux, même dans la zone côtière, voir pour eux entrer sur Port-au-Prince, tant que le Nord-Est, la Tibonite, plateau central, Grand-Anse, l'Ouest, ils ont demandé pour que la paix tourne dans la zone. Ils ont demandé pour que ils déplacer à travers la communauté côté à vivre là. Donc, une force humanitaire, ils même qui exprimé comme ça. La EDO sorti dans sa ouïe. Et ça fait nous dire que nous pas dans une force qui a venu, qui a pris un policier, nous mettez dans le coin. Non? C'est comme nous avons une déficience de matériel technique pour nous faire face à ça qui a monté là. Nous avons un exemple, mes amis. À chaque intervention, c'est rare la DEO qui réussit, c'est tout. Intervention qui m'a depuis force. Nous avons tellement prend même chat dans les policiers. Actuellement, là, nous avons ça qui passe dans une zone. Chat n'a pas nommé la police. Donc, nous-mêmes, le département ça a dit que si son force humanitaire qui est favorable avec lui, nous avons le reste du département pour nous faire une deuxième conférence pour nous exprimer nous clairement. Donc, dans un fonctionnement normal, aucun citoyen sérieux, honnête, qui a un sentiment de nationaliste, pas d'accord que l'armée au pays envahit, débarquer la carrière. Mais le constat que nous faisons, en pile de monde qui a parlé là, qui vient de dire contre l'armée, contre ceci, contre l'intervention. Les gens parlent en face, dans l'émission, ils ont un discours. Mais quand ils ont en dehors de discours, ils ont l'air d'exprimer, ça a passé. Ils ont réfléchi pour dire que si force humanitaire ça a venu, pays a bon stabilité. Référendum a fait, élection a fait, et puis élu a rentré en fonction. Ça capable de déranger parce que c'est des mouns. Par une autre façon pour y arrêter sur échiquier
politique paysan, c'est dans la débandade, c'est dans l'instabilité. Donc, dans ce sens, ça nous dit que il y a 5 départements que nous checkés, que nous parlons avec le conseil d'organisation là-dedans. Ils ont même dit que ils pas capable encore. Ils souhaitent que le gouvernement joue un support, amis et amis, que nous sommes membres fondateurs OEA et Organisation Nations Unies. Deuxième point, non, ça, qui ça crée l'instabilité? Mais qui armé, qui a des armes de tout calibre, qui a tout non. Mais qui laisse les gens? Haïtiens, qui sont dans la police, qui sont dans la zone de l'école, qui sont dans l'autre profession, qui ont fait. Pour une raison, pour une autre, ils ont trouvé derrière un M50, derrière un Kalachnikov, derrière un Beretta, un 12, quel que soit type ou calibre d'armes qui sont dans la zone. Mais qui est-ce que les armes passent? Là, on passe dans la douane. Qui est-ce que vous dans un pays qui a une relation commerciale avec nous. Je me rappelle que un seul haïtien fait entrer 77 âmes dans le pays. Si 11 âmes, chaque tué un grand monde, non moi, lui-même pour qu'on parle, il y a 77 monde sous conscience. Dans 12 mois, dans 3 ans, dans 4 ans, et si il y a 20 monde, 30 monde, 40 monde qui ont fait ça, on va pouvoir que ça soit un génocide qui a fait sous population. Nous yon là pas épargné. Nous yon là nous gen zanmi nous victimes, nous gen seul nous victimes. Ti moun kou grand moun, jeune kou vieux, professionnel toute qualité moun victime de situation ça. Donc nous même au niveau plateforme politique victoire. Nous souhaiter si gen yon bagay k'ap régler dans zone ça yo, à moun ki gen zanmi yo, c'est pas un génocide pour lui. C'est pas un poté bourré pour gen dommage collatéral. Sauf si que Neki Amia il vient tirer sur la police. Mais si la police a un moyen pour intercepter M. Sao, tout vivant, c'est la plus grosse victoire pour la sécurité nationale, la sécurité publique. Pour qui ça? C'est une opportunité pour nous connaître, pour nous dire nous, qui moun qui va aux âmes ça? Type 2 âmes ça? Qui laisse qui va aux l'argent? Et qui crime? Et qui criminel notoire qui accompagne yo dans ça même gens avec M. Caleb te dit il des criminels notoires en d'un pays ça qui a fait crime la guy sous tout monde et ça nous même nous souhaiter que tout monsieur ça qui a mis là on dit encore si pas une raison de d'attaque la police nous souhaiter que vous faites toute stratégie la utile l'état la utile pays à l'avenir pour que ça vienne témoigner qui laisse qui baille aux âmes, non? Qui côté les âmes dans sorti et qui moun qui baille les moyens pour accompagner yo dans l'action qui a fait yo et qui action qui a fait pour moun sa yo. Sous baille ça, nous réitérons encore, troisième fois encore, faut que lumière faite sur ça qui est passé la saline, non? Et nous même nous réclamer, faut que procès a fait la petite pays a pour nous faire lumière sur ensemble de bagailles et même gens tout à ça qui est passé. Delma 32, il y a deux jeunes citoyens qui sont conscients de la situation, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ça qui passe dans le pays. Des gens qui disent qu'ils ont fait trois humains et qui ont une dynamique de gangstérisation paysan, de criminalité, ils ont planifié pour faire ça la guerre sous le gouvernement, la guerre sous le monde. Et dans juste ça, nous avons une autre conférence pour nous avoir plus d'informations. Et bien, nous avons parlé de gens qui vivent. Rencontre Delma qui ça ça qui fait pour Delma 32. Vous attendez et m'a rappelé m'a annoncé tout dernière information que opération ça qui fait Delma 32 qui tuait plusieurs monde et qui portait la vie de journalistes haïtiens qui était relé opération volcan et monde qui était témoin de l'action ça yo bay liste tout monde qui était fait crime crapuleux ça et heureusement Jovenel vinn mourir tout de suite pour pas gien t'a associé personne monde même j'ai été fait pour et ces amis qui mouri Chan Massa ti blanc tatou même j'ai été fait sous Delma il va gagner une chance ça même j'ai été fait sur la saline donc Jovenel mouri quelques semaines quelques jours après donc on dit la police la justice moi même information que me gagne par le biais de deux monde ça yo opération volcan qui était porté monde ça yo aller nous identifier monde pour la justice la police questionner sur crime ça merci.